Bonjour à tous, ici DJ Zoiseau. Alors c'est parti, une nouvelle manif contre la réforme des retraites. Donc en direct de Chaumont, nous sommes le mardi 7 février 2023 et j'ai pu retrouver mon appareil photo d'avant. Du coup je vais pouvoir vous faire des qualités de la même qualité d'avant, quoi, tout simplement. Je vais pouvoir vous faire le même format avec, avec les mêmes zooms, etc. C'est fini de filmer avec son téléphone. Du coup, sans plus attendre, voilà ce qui s'y passe. Montre leur fermeté et leur opposition à cette réforme des retraites. La question de justice sociale, de reconnaissance du travail sont au cœur de nos luttes. Entendre la rue, le peuple, retirer ce projet est la seule voie possible. Travailler plus longtemps pour apporter plus de recettes n'est pas une solution réaliste, respectueuse des travailleurs et humainement. Aujourd'hui, à 60 ans, seul un actif sur deux est encore en activité. L'autre moitié se répartissant entre chômage et invalidité. Entre refus d'embaucher des salariés après 50 ans et plan de départ volontaire des plus anciens, considérés trop coûteux pour les entreprises, le chômage sévit dramatiquement chez les seniors. Avec ce report de l'âge de départ à la retraite, c'est la double peine. Tout le monde prend deux ans ferme. L'augmentation du nombre d'annuités entraînera un allongement de la précarité et une baisse massive du nombre de travailleurs en capacité d'atteindre une carrière complète. Avec l'articulation de la réforme de l'assurance chômage qui entraîne une baisse des allocations ou une suppression du nombre de mois indemnisés, c'est le RSA qui se dessine pour certains seniors. Il y aura des répercussions indéniables sur le niveau des pensions, mais ça dans les hautes sphères et chez les grandes têtes pensantes du gouvernement, on s'en fout évidemment. Le système de retraite sera à l'équilibre en ayant fait trimer les travailleurs tant qu'on pouvait, peu importe qu'ils finissent à l'équerre sur leur poste de travail. Donc, pour faire face aux difficultés rencontrées pour l'emploi des seniors, cette réforme appelle à la création d'un nouvel index. Ce genre de mesure qui a déjà brillé par toute sa splendeur en démontrant son inefficacité pour l'égalité homme-femme au travail. Oui. À chaque fois que l'on repousse la durée de cotisation, on la rend moins atteignable pour les femmes, en creusant un peu plus le fossé des inégalités entre ces mêmes hommes et ces mêmes femmes. Inutile de rappeler qu'actuellement les femmes gagnent en moyenne 15,8% de moins que les hommes. Que dire des 1200 euros pour les petites pensions? Le gouvernement nous balance ça comme une avancée. Mais pour qui nous prend-il? Eh bien je vous le dis, il nous prend pour des cons. La revalorisation du minimum retraite à 85% du SMIC, 1200 euros, est prévue par la loi depuis 2003. Il serait peut-être temps de la mettre en application, non? Le gouvernement, par son projet, souhaite donc mettre enfin en œuvre une mesure déjà prévue, en oubliant de préciser que ce sera conditionné au fait d'avoir une carrière complète. Et là, pleurer. Sachant que le nombre d'annuités de cotisation va augmenter, faut-il en rire ou en pleurer? Ouais, ben on va en pleurer une deuxième fois. Pour les 80% de retraités qui ont une pension de moins de 1000 euros, sans avoir de carrière complète, majoritairement des femmes, cette mesure ne changera donc rien. Pour en venir un peu à des solutions de financement de nos retraites, on pourrait peut-être arrêter d'arroser à coups de millions les grands groupes du CAC 40, notamment, stopper toutes ces exonérations de cotisations, stopper les dividendes hors normes. C'est insupportable pour des millions de citoyens, cette répartition des richesses produites est tellement injuste et inégalitaire qu'on ne se laissera pas imposer une réforme injuste, brutale et antisociale. En France, les milliardaires ont ainsi gagné près de 220 milliards d'euros entre mars 2020 et mars 2021. Et un nouveau record de distribution de dividendes des entreprises du CAC 40 à leurs actionnaires a été diffusé, de l'ordre de la bagatelle somme de 80 milliards d'euros. L'argent, il y en a. Les organisations syndicales ont toutes déjà fait des propositions et donné des solutions aux oreilles bouchées qui composent le gouvernement Borne. Enfin, dans toutes ces manœuvres où la malhonnêteté le dispute à la caricature, le ministre en charge de la fonction publique, Stanislas Guérini, n'hésite pas à donner de sa personne. Il a franchi un cap ces derniers jours en adressant, via leur boîte mail, une vidéo aux agents de la fonction publique mettant en avant le bien fondé de cette réforme des retraites. Sur le fond, rien de nouveau, ni de très pertinent. Sur la forme, en revanche, on atteint les sommets dans les pratiques les plus éventées.
Il n'est d'ailleurs pas impossible qu'une telle démarche soit entachée d'illégalité, puisque les envois ont été effectués sur des boîtes mail personnelles. Toutes les méthodes sont donc bonnes pour porter ce projet de réforme de retraite par les sbires de la ministre Borne. Quoi qu'il en soit, cela permet de remettre à sa place Olivier Dussopt. Les déclarations de ce zélé réactionnaire fustigent le supposé manquement à la neutralité des maires qui expriment leur solidarité avec la grande majorité des citoyens via des bannières de soutien sur les façades des mairies, notamment. Ce n'est pas le cas à Chaumont à l'évidence. Cette grande majorité de citoyens qui refusent les nouveaux reculs que Macron souhaite imposer. En tout cas, à Chaumont, ici, le soutien à la municipalité doit vraiment être discret, très très discret. Vous voyez quelque chose d'apposé derrière nous, sur la façade? Eh bien non, effectivement, ce n'est pas leur préoccupation. Nous l'avions d'ailleurs, sans aucun doute, là-dessus. Non, Madame Borne, nous non plus ne négocierons pas l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Non, Madame Borne, pour nous aussi, 64 ans, ce n'est pas négociable. Non, les travailleurs ne négocieront pas 2 ans de plus pour une pension de plus en plus faible. Non, les travailleurs ne négocieront pas 2 ans de plus pour un avenir misérable. Non, les travailleurs ne négocieront pas 2 ans de plus pour être privés de leurs enfants et petits-enfants. Non, les travailleurs ne négocieront pas 2 ans de plus pour leur temps à vivre en bonne santé. 64 ans, c'est non. Retrait immédiat et non négociable de la réforme. Oui, à une politique de réel progrès social. Merci. L'ensemble du cortège. Voilà, donc comme je vous disais sur l'une de mes précédentes vidéos, à un moment il va faire un peu trop nuit parce que là il est déjà un peu plus de 17h et du coup je pourrais pas tout vous filmer parce qu'à un moment il fait trop sombre et on m'a dit qu'on voyait rien. Du coup je vous filme que ce qu'on voit de jour. À suivre. Donc là j'ai compté comme j'ai pu, donc c'est approximatif, mais il y a plus de 1100 personnes. Voilà, là facilement il y a plus de 1100 personnes. Il y a une petite vue panoramique devant les silos, la gare est là-bas. Alors je dis plus de 1100 personnes, mais ça peut être 1500, voire plus de 1500. C'est approximatif, mais largement plus de 1100 sans aucun fait sûr. Donc là on voit rien, mais c'est la préfecture. La fin du parcours. Bon,
moment, eh bien, c'est la fin de la manif. Donc il y a des gens qui rejoignent pendant que le cortège est déjà lancé. Donc facilement, on était plus de 1500. Donc si vous entendez qu'il y avait moins de 1500 manifestants à la manifestation de Chaumont pour cette date, donc le mardi 7 février 2023, c'est que c'est faux, on était largement plus que ça. Donc il y en a qui estiment 2000, 2500, je sais pas, mais largement plus de 1500. En tout cas, ça c'est clair. À la prochaine. N'entends-tu pas le peuple pleurer? Les gens souffrent et sont épuisés. C'est les plus désœuvrés qui se trouvent coincés, piégés par cette société. N'entends-tu pas le peuple crier? Les gens souffrent et sont fatigués. C'est les plus désœuvrés qui se trouvent coincés, victimes de leur pauvreté. Oh non, les politiciens parlent beaucoup mais ne font rien, rien du tout. Magiciens, des gourous, ils endorment les gens et c'est tout. Leur discours sonne faux, leur discours est flou, plus personne n'entend rien du tout. Ils traînent les gens dans la boue, les malmènent jusqu'au bout. Certains en deviendront fous. N'entends-tu pas le peuple pleurer? Les gens souffrent et sont épuisés. C'est les plus désœuvrés qui se trouvent coincés, piégés par cette société. N'entends-tu pas le peuple crier? Les gens souffrent et sont fatigués. C'est les plus désœuvrés qui se trouvent coincés, victimes de leur pauvreté. On vit dans un monde de ouf, dangereux qui nous étouffe. C'est toujours les mêmes personnes victimes de la société qui souffre. Le peuple fatigue s'étouffe, certains sont près du gouffre. Une vie qui défile à 300, alors même pas tant se dérouffe. Oh non, certains n'ont pas de toit, n'ont pas de...